Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, je voulais vraiment vous montrer ma skincare routine que j'ai en ce moment et pas des moindres car il va s'agir de la skincare routine Korean Skincare Routine. Donc vraiment, je vais vous présenter tous mes produits coréens favoris pour prendre soin de ma peau en ces temps de froideur extrême, de pluie, de temps gris, de mauvais temps tout simplement, car il est très important à chaque saison de protéger sa peau, automne, hiver, printemps, été, durant n'importe quelle saison, il est important de prendre soin de sa peau. Donc je voulais vraiment vous présenter ces produits que j'utilise en ce moment et certains que j'utilise depuis très longtemps, d'autres depuis un peu moins de 2 semaines. Et je voulais vraiment en fait vous les présenter. Peut-être que vous allez découvrir de nouveaux produits, découvrir des petites pépites comme moi j'ai pu en découvrir. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc dans un premier temps, je vais faire un petit disclaimer qui je pense qui est très important. Il faut dans un premier temps, quand vous voulez prendre soin de votre peau et avoir une skincare routine très bien adaptée à votre peau, il est très important en fait de connaître votre type de peau. Moi par exemple j'ai une peau mixte, c'est-à-dire la zone T qui est grasse, donc en général très brillante comme vous pouvez voir là maintenant. Au niveau des joues c'est assez, pas sèche mais c'est normal en fait. Donc j'ai une peau, j'ai une combination skin en quelque sorte. Après il y a des gens qui font peau sèche, peau grasse, peau mixte, ce genre de choses. Donc il est très important de savoir votre type de peau pour ensuite avoir le type de soins adapté à votre type de peau, tout simplement. Second point très important également, la beauté extérieure passe également par la beauté intérieure. C'est-à-dire que tout ce que vous allez manger, boire, les activités physiques que vous allez faire, tout ça c'est très important pour votre métabolisme, tout ça c'est très important pour votre métabolisme intérieur et pour votre corps, car la beauté, si vous êtes en bonne santé à l'intérieur, vous êtes en bonne santé également à l'extérieur, vous êtes beaucoup plus beau, votre peau est beaucoup plus radieuse, ce genre de choses, ça nous permet en fait d'éliminer les impuretés, par exemple quand on fait du sport, ce genre de choses. Également très important, boire de l'eau 2 litres par jour, ok? L'agressivité, on adore. Donc voilà, très important, petit disclaimer, donc voilà, il y a trois grandes choses à prendre en considération, le sport, l'alimentation et ce qu'on mange, l'alimentation et ce qu'on boit, et également notre type de peau. Voilà, petit disclaimer fermé, on peut commencer la vidéo. Donc tous ces produits que je vais vous présenter, je vais essayer de le faire dans l'ordre de ma skincare routine et je vais faire la skincare en même temps avec vous pour vous montrer ce que je fais. Donc au quotidien, même quand je reste chez moi ou quand je fais pas grand chose d'exceptionnel, il faut bien également comprendre qu'il y a une skincare routine pour le jour et une skincare routine pour le soir. Je sais pas si je ferai une vidéo pour le soir car il n'y a pas plus de choses à dire que ça concernant ma night skincare routine. Donc sans plus attendre, commençons. Dans un premier temps, il est très important en fait de venir nettoyer votre peau, c'est-à-dire de se débarrasser des impuretés, de la pollution, du sébum, de la transpiration qu'on peut avoir, du maquillage également. Donc vraiment venir nettoyer sa peau matin et soir, c'est très très important, c'est primordial. Je pense que c'est l'étape la plus importante selon moi concernant une skincare routine. Donc ça va être soit un nettoyage unique, comme je l'appelle, un nettoyage, c'est-à-dire avec une huile démaquillante ou avec une huile nettoyante ou avec un foam cleanser, donc une mousse nettoyante. Après on peut faire le double cleansing, donc il va s'agir en fait d'utiliser une huile dans un premier temps et ensuite une mousse nettoyante. Personnellement je fais pas trop de double cleansing en ce moment parce que j'ai pas trop envie d'irriter ma peau, je la sens un peu un peu irritée, ce genre de choses ces derniers temps. Donc je fais juste un cleanser normal, donc je fais juste un petit nettoyage normal avec une mousse nettoyante et j'utilise celle-ci de chez Lagom. Donc c'est un format voyage parce que j'ai déjà terminé en fait le format le grand format. C'est ça que j'adore en Corée du Sud, c'est quand vous achetez en général des skincare n'importe où, ils vous donnent énormément de miniatures de format voyage ou des fois ils vous font des offres avec le grand format et deux produits miniatures du même produit, donc c'est génial. J'ai déjà fini le grand format et l'autre refill qu'il m'avait donné, donc j'entame celle-ci et ce produit est juste dingue, il nettoie super bien votre peau, il laisse un léger film hydratant après s'être nettoyé la peau, il va également bien nettoyer les pores, lisser la peau, enfin j'adore, et chose importante, il ne tiraille pas du tout, il ne laisse pas un côté
sèche. Il ne laisse pas un côté sec au niveau de la peau. Il va pas avoir un côté néfaste, j'ai envie de dire, sur la peau. Il va pas avoir un mauvais côté. Vous savez, cet inconfort qu'on peut ressentir après cette nettoyer la peau avec un foam cleanser. Donc je pense que c'est très important. Et ce produit, j'en suis vraiment dingue. J'utilise depuis environ un mois et demi, deux mois. Et j'en suis red dingue. Je ne peux que vous le recommander. Vraiment, il est très peu cher. Les produits d'ailleurs seront en barre d'infos si ça vous intéresse. J'essaierai de vous mettre également mon code promo pour YesStyle. Je fais pas trop de promos d'habitude. C'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. J'ai vraiment juste envie de vous faire découvrir des produits. Il faut également savoir que ici, ce sont pas des produits qui m'ont été envoyés. Ce sont pas des produits sponsorisés. Il y a juste deux produits qui m'ont été envoyés, mais ils m'ont pas dit parle-en. C'était juste tiens, un cadeau pour les posts Instagram que tu fais et tout. C'était vraiment pas dans une histoire de sponsorship ou je sais pas quoi. Ensuite, étape encore une fois très très importante selon moi, j'aime bien en ce moment utiliser deux toners, donc j'utilise celui-ci de chez It Skin qui est le Powerful Genius Serum in Toner, donc j'adore ça et vraiment ce produit il a une promesse que j'avais jamais, il tient des promesses vraiment que j'avais jamais vues avant. C'est-à-dire qu'en seulement 10 jours, ce produit va permettre en fait de réguler votre peau, c'est-à-dire résoudre tous les problèmes que vous pouvez avoir avec votre peau, c'est-à-dire rougeur, lisser la peau, renforcer la barrière cutanée, renforcer l'élasticité de la peau, vraiment estomper les rougeurs et réduire l'apparence des pores. Et c'est vrai que j'utilise depuis environ 10-15 jours, un peu plus de 10 jours, ouais, je dirais 15 jours, et je vois vraiment une différence. J'ai vraiment utilisé que très peu de produits, comme vous pouvez voir, et j'en suis mais red dingue. Je vais vous présenter les deux autres produits de cette gamme-ci qui vont ensemble, mais dans un premier temps, on va appliquer le toner. La texture est très aqueuse, et donc il va vraiment avoir une absorption super rapide dans la peau. Autre petit point très important, c'est qu'il est composé de 17 acides aminés, donc très important pour la peau. Et il y a également de la céramide NP. Donc qu'est-ce que la céramide, vous allez me dire? La céramide joue un rôle très important en fait dans notre peau, sur l'apparence de notre peau. Ça nous permet en fait de renforcer notre barrière cutanée, tout simplement. Donc pour avoir une peau éclatante et une peau en bonne santé. Et il faut également savoir que notre peau est constituée d'environ 50% de céramide, c'est-à-dire que les couches de la peau représentent environ 50. Elle joue également un rôle très important pour garder notre peau hydratée et donc, comme je vous disais, renforcer la barrière cutanée. Mais également, notre peau est composée, en fait, les couches supérieures de notre peau sont composées à environ 50% de céramide. C'est très important pour avoir une barrière cutanée renforcée et pour avoir une peau saine, hydratée et éclatante, comme maintenant vous pouvez voir. On trouve également énormément de céramide dans des crèmes, par exemple celle de chez Belief ou celle de chez La Roche-Posay. Je pense que La Roche-Posay est une marque de skincare très connue en France. C'est une marque de parapharmacie, je ne suis pas trop sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais bon, vous connaissez je pense La Roche-Posay, enfin une très grande marque qui fait des miracles. Toner, cette lotion est vraiment faite pour les gens qui veulent avoir une peau éclatante, une peau hydratée, combattre la sécheresse de la peau et vraiment en fait renforcer votre barrière cutanée et l'élasticité de la peau. Je vais vous présenter ensuite les autres gammes de produits. On va donc maintenant passer tout de suite au sérum. Toujours de la même marque, donc je vous ai pas dit c'était quelle marque il me semble, donc c'est de chez It Skin et maintenant on va passer au sérum qui est le Power 10 Formula Powerful Genius Serum. Et comment vous dire, ce sérum, son odeur est juste dingue. Même le toner, l'odeur est juste à tomber par terre, vraiment. Pareil, celui-ci est composé encore une fois de 17 acides aminés, de céramide, et il va également encore une fois venir combattre tout ce qui est rougeur, les irritations de la peau, vraiment avoir un lisser les pores de votre peau, lisser et avoir une bonne texture de peau. Et hydraté en profondeur. La texture de ce sérum est très, vous allez voir, aqueux, mais en même temps un peu gel. Il n'est pas du tout collant, la texture est vraiment très rafraîchissante également. Et la pénétration au niveau de la peau se fait super rapidement. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie. C'est tout simplement extraordinaire, vraiment. Voilà, seulement en massant un tout petit peu, vous voyez, ma peau, elle a déjà tout absorbé. Et vous voyez déjà ce joli glow que je peux avoir au niveau de la peau. En fait, c'est un glow qui va rester tout au long de la journée. Donc c'est très bien si vous êtes une personne qui ne se maquille pas souvent, qui n'aime pas trop mettre du maquillage
au cours de la journée ou quand vous restez chez vous, enfin voilà, c'est tout simplement magnifique et on voit vraiment cet éclat au niveau de la peau. C'est vraiment ce que j'aime avec ce sérum et ce toner. C'est vraiment ce côté pénétration super rapide, absorption super rapide, texture rafraîchissante, odeur vraiment à tomber par terre. Enfin, c'est vraiment un moment de plaisir, vraiment. Ok, produit suivant. Je vais maintenant vous parler d'une des crèmes pour les yeux numéro 1 en Corée du Sud. C'est celle-ci de chez AHC qui est donc là. Ageless Real Eye Cream for Face. Donc ce qui est très intéressant avec ce produit, vraiment, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je ne le savais pas du tout. Donc vous pouvez voir, j'en ai utilisé énormément, il est presque fini. Et on a également des petites, comment dire, pareil, des formats voyage qui sont offerts quand on l'achète. Donc c'est à peu près cette taille-ci. Et pareil, j'ai déjà tout utilisé, et c'est bientôt la fin, donc je la rachète. Et donc ce que j'adore avec ce produit, vraiment, il fonctionne à merveille. Vraiment, c'est extraordinaire à quel point ce produit est juste miraculeux, vraiment. Mais parfaite en fait pour réduire les premiers signes de l'âge, les petites ridules, et donc hydrater et venir également hydrater le contour de l'œil. Cette crème a une texture vraiment super riche et c'est une crème qu'on peut appliquer en fait en 360 degrés, c'est-à-dire on peut vraiment venir faire le dessous de l'œil comme ceci et on peut également venir remonter et passer par l'arcade sourcilière. Donc c'est déjà la première étape quand on va venir masser. Donc toujours venir masser comme ceci en fait, remonter, passer par l'arcade sourcilière et remonter. Une fois qu'on a fait ça environ une dizaine de fois, ce que j'aime bien faire, c'est en fait après venir changer le sens. Et c'est vraiment super relaxant, surtout par exemple quand on vient de se réveiller, on a généralement les yeux un peu gonflés, un peu fatigués, donc c'est super agréable. Autre petit point intéressant, mettez-la au frigo pour avoir un côté encore plus rafraîchissant, c'est vraiment un moment de plaisir, vraiment. Et ensuite, je viens tapoter légèrement pour bien faire pénétrer le produit. Donc cette fameuse crème pour les yeux est antioxydante, elle hydrate super bien et elle est vraiment super riche. Enfin, j'aime énormément. Autre petit point très important pour cette crème, c'est qu'en fait, vous avez sûrement dû le remarquer, mais le nom c'est Real Eye Cream for Face. Donc on se dit, c'est un peu bizarre que ça soit une crème pour les yeux et après pour le visage. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce qui est super cool avec ce produit, c'est qu'on peut venir l'appliquer au niveau des petites ridules qui commencent à apparaître. Par exemple, la ligne du sourire ici, ou les petites ridules, comme moi je peux avoir au niveau du front. En fait, elle peut servir en fait de crème hydratante, pas pour tout le visage, mais vraiment pour les petites zones que vous avez vraiment envie de traiter. Et je l'ai appliqué pendant quelques jours, je dirais environ une semaine et demie, au niveau de ma ligne du sourire, et vraiment, je n'ai plus rien pareil. Normalement, j'ai une ridule ici, enfin, on la voit encore un peu quand je soulève les sourcils, vous voyez ici, et normalement, elle restait tout le temps, et c'est juste magique, parce qu'elle a vraiment presque disparu. Elle s'est estompée en fait, vraiment, vous voyez, ma peau est vraiment lisse au niveau de mon front. Et pareil, au niveau de ma ligne du sourire, il n'y a vraiment plus rien du tout. Donc c'est incroyable, vraiment, enfin j'ai été choqué parce qu'au début je ne savais pas, j'utilisais que sur mes yeux. Et après j'ai lu sur internet en fait que c'était également possible de qu'on pouvait également ensuite l'appliquer au niveau d'ici, où en fait où on a des petites ridules qui commencent à arriver. Donc vraiment incroyable découverte, produit vraiment génialissime, je ne peux que recommander. Il faut également savoir que cette crème contient du collagène, donc parfait pour restaurer la peau, sachant que notre peau sécrète du collagène, qu'on en a toujours besoin, et elle contient également 25 peptides différentes pour vraiment protéger, restaurer la peau et hydrater le contour de l'œil et estomper les petites ridules. Voilà, passons maintenant à ma crème de jour favorite. Donc encore une fois, on repart sur cette crème-ci, sur cette marque-là qui est de chez It's Skin, donc qui est la 10 Formula Powerful Genius Cream. Crème, encore une fois, il n'en faut que très peu, vous voyez, j'en ai que utilisé très peu. Je vous ferai un gros plan à la caméra pour que vous voyez à peu près la texture de la crème. C'est une texture très riche, encore une fois, c'est une texture un peu gélifiée. Vous allez voir à la caméra, je vais vous montrer d'un peu plus près. Ce que j'ai vraiment adoré avec ce produit, c'est qu'en fait, elle va venir sécréter, produire plus de microbiote. Donc quand je vous dis ça, vous devez certainement vous demander, mais qu'est-ce que la microbiote? Donc la microbiote est plus communément appelée la flore cutanée, tout simplement. Qui fait avec cette crème, c'est qu'en fait elle va venir faire un rebalancement, elle va venir rebalancer la peau en microbiote et également venir réparer la peau irritée, endommagée. Donc qu'est-ce que la microbiote dans un premier cas, vous allez certainement me demander. En fait la microbiote est plus communément appelée la flore cutanée, tout simplement. Les microbiotes en fait sont des petites germes, sont un peu comme des microbes mais qui sont bons pour notre santé. C'est vraiment des microbes qui viennent en fait protéger notre peau contre les agressions extérieures, contre les irritations, ce genre de choses. Ce sont des microbes qui vont en fait venir protéger votre peau et
et jouer un rôle de protection en fait contre les autres pathogènes qui pourraient venir en fait coloniser notre peau. Donc en gros c'est un peu comme des petits soldats si vous voulez qui protègent notre peau. Et il faut savoir qu'on a de la microbiote partout, on a la microbiote dans nos intestins, sur notre peau, et il y a également la microbiote au niveau des parties génitales, très important. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça par exemple la flore vaginale, la flore intestinale ou la flore cutanée. Donc c'est quand on parle de flore cutanée, intestinale ou vaginale, on parle en fait de microbiote. Ce sont ces agents en fait qui nous protègent contre les agressions extérieures, contre les pathogènes qui peuvent venir en fait créer ce genre de petites infections ou des petites éruptions cutanées, ce genre de choses. Donc cette crème va en fait tout simplement venir nous protéger contre les agressions extérieures, tout en stimulant en fait nos défenses naturelles, et pareil encore une fois venir lisser le grain de peau, camoufler les pores, enfin camoufler, lisser le grain de peau, lisser la texture de notre peau, estomper les rougeurs, réduire l'apparence des pores, et la texture est vraiment riche, j'aime trop ce produit. Donc cette crème promet vraiment en fait une hydratation en profondeur, et si vous avez des petites irritations, par exemple après vous êtes nettoyé la peau, exfolié la peau, cette crème en fait va venir calmer tout simplement votre peau et en fait renouveler la barrière cutanée. Donc encore une fois, protéger votre peau des agressions extérieures, et la texture vraiment, c'est une texture assez émolliante en fait, si j'ai envie d'expliquer. Ça va vraiment se transformer de plus en plus en quelque chose d'aqueux, en quelque chose un peu plus liquide et qui pénètre super rapidement. Vous voyez, c'est déjà pénétré. Je vous fais un petit zoom très rapidement et vous voyez l'état de ma peau, c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est vraiment un joli glow, super naturel. Effet peau en bonne santé, enfin vraiment, je suis sûr que vous voyez, comme je vous disais au niveau de mon front, je n'ai presque plus de, en fait, de ridules, elles sont presque toutes parties, plus estompées, enfin je les vois toujours, mais elles se sont estompées, sachant que j'en avais énormément avant, elles se sont vraiment estompées grâce à la crème, notamment pour les yeux, et grâce à cette crème-ci. C'est vraiment ce que j'ai remarqué le plus rapidement, c'est vraiment au niveau de mon front, tout ce qui était la ridule ici, et encore une fois au niveau du sourire. Je surkiffe cette crème, vraiment, je la surkiffe. Vous devez vraiment l'essayer. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était juste une dinguerie. Je vais maintenant venir vous parler de mon produit chouchou, de mon produit phare que j'utilise depuis août. Non, il me semble que c'était juillet et j'en ai vraiment utilisé énormément. On va parler d'Alba, donc d'Alba qui est une marque, encore une fois, coréenne. Donc j'ai presque fini celui-ci, j'entame maintenant celui-là. Donc c'est un voile SPF, tout simplement, si tu as une protection solaire en forme, en crème, et vraiment ce produit. Donc dans un premier temps, il faut savoir que ce produit contient de la truffe blanche qui nous provient d'Italie, la truffe blanche qui est notamment appelée le diamant le diamant de la terre. Enfin, je trouve que le mot est super poétique, vraiment. Donc il faut savoir que la truffe blanche chez d'Alba, c'est leur produit phare, c'est leur, comment dire, leur ingrédient principal, c'est vraiment leur ingrédient breveté, en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Et ce produit contient également de la vitamine B12, de la vitamine C, de la vitamine B3, donc parfait pour tout ce qui est peau irritée, pour rougeur, pour camoufler les petites imperfections et vraiment lisser le grain de peau et hydrater la peau encore une fois. Ce produit, vraiment, il est génialissime. Enfin, j'ai jamais vu un produit qui marchait aussi bien que ça, en toute honnêteté. J'utilisais même en tant que base make-up, et vous pouvez même remplacer ce produit en tant que crème de jour, tout simplement, parce qu'il a une texture riche, encore une fois, rafraîchissante, super aqueux, mais un côté non gras, un côté non collant comme certaines bases SPF peuvent avoir. Et il n'a pas ce côté, cette odeur médicinale, dans le sens, en fait, il n'a pas ce côté, en fait, odeur, vous savez, les odeurs de crème solaire qu'on a l'habitude de sentir, les crèmes solaires qu'on met avant d'aller à la piscine, ce genre de choses, non. Il a une odeur très rafraîchissante, très douce, et vraiment produit que je surkiffe, en toute honnêteté. Regardez-moi ça, il est presque terminé, il doit m'en rester un tout petit peu au fond, donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, je vais essayer de terminer. Donc, voilà, c'est une crème, en fait, anti-âge, c'est un voile SPF 50+, PA+, attendez, je vais dire ça, plus, donc 4+, et même si on l'applique en fait plusieurs fois, il absorbe, notre peau l'absorbe tellement rapidement en fait qu'on peut le réappliquer encore et encore et encore. Donc c'est un produit en plus pas trop grand, qu'on peut amener partout avec nous, on le met dans notre sac, si on a besoin de le réappliquer au cours de la journée, c'est parfait. Et c'est vraiment une marque qui fait
furie en Corée. Enfin, je vois des pubs pour ça partout. Je vois des personnes utiliser ça de partout. J'ai plein d'amis qui utilisent ces produits-là également. J'ai eu la chance donc de recevoir ce produit-ci. Il y a super longtemps, j'ai même dû le racheter parce que le premier qu'ils m'avaient envoyé, je l'ai terminé. Et j'ai pu essayer leur nettoyant visage. Ouf, vraiment ouf, génial, rien à dire. Et tout ce qui est sérum en spray. Il me semble que je vous les avais présentés il y a assez longtemps sur ma chaîne, mais je ne suis pas trop sûr. Donc ce produit est également conçu pour tous les types de peau, même pour les peaux sensibles. Il a une texture très légère et vraiment, comme je vous dis, pénétration super rapide au niveau de la peau. Crème solaire en fait va vraiment venir nourrir notre peau, la réparer contre tous les dommages que le soleil aurait pu causer, donc tout ce qui est ultraviolet, ce genre de choses, mais également venir protéger contre la pollution et contre les ultraviolets, les rayons du soleil. Et vraiment, il laisse un côté très healthy à la peau, hein, vraiment un côté vraiment en bonne santé en fait au niveau de la peau. Vraiment, il lisse les pores. Je l'utilise comme je vous disais en tant que base de make-up et j'en suis ravi. Vraiment, là, vous voyez, c'est déjà pénétré dans ma peau et ma peau est vraiment super douce au toucher, pas collante du tout. Et vous voyez ce glow vraiment magnifique. Donc, parfait pour ceux qui ne veulent pas se maquiller, encore une fois, ceux qui veulent avoir un joli grain de peau, un joli rendu au niveau de la peau, c'est vraiment le produit qu'il vous faut en toute honnêteté. Et regardez-moi ça. Je suis dingue de ce produit en toute honnêteté, vraiment, genre je sais que je vais le racheter et j'ai même pas les mots tellement je suis in love de ce produit, enfin vous devez vraiment l'essayer pour comprendre ce que je veux dire par là. Il existe en trois types, je sais qu'il y a le whitening, il y a le anti-aging, donc c'est celui que j'utilise avec ce côté en fait waterfall, donc c'est-à-dire ce côté très aqueux, ce côté très rafraîchissant, et il y a également le côté fresh, il me semble, donc je pense que c'est une gamme un peu plus destinée aux peaux jeunes, je dirais, je sais pas du tout les autres différences, je sais juste au niveau de celle-ci, parce que c'est celle-ci que j'utilise. Mais voilà, je suis ravi, vraiment. C'est un produit que je vous recommande à 100%. Vraiment, allez-y, les yeux fermés, en toute honnêteté. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'aimerais bien vous prendre avec moi, vous enlever, enfin, vous faire venir ici avec moi, vous faire tester juste à côté de moi pour que vous compreniez vraiment ce que je kiffe dans ce produit et pourquoi je le kiffe, en toute honnêteté. Donc voilà, c'est ma skincare du moment. J'ai voulu vraiment vous faire une petite skincare assez simple, une easy skincare routine, une easy Korean skincare routine, parce que je sais qu'il y a aussi la 10 step Korean skincare routine, mais je voulais vraiment pas faire quelque chose de trop complexe. Je voulais vraiment vous présenter les produits que j'utilise au quotidien, les produits que je surkiffe, les produits qui pour moi marchent le mieux, qui sont franchement qui sont exceptionnels, vraiment exceptionnels, enfin qui regardez le rendu de ma peau, vraiment, comme vous voyez, j'ai pas de rougeur, ma peau n'a pas mal réagi, j'ai rien de tout ça, c'est vraiment ma peau, elle est super hydratée. Je sais que le glow va rester toute la journée, donc avoir un côté un peu healthy au niveau de la peau, c'est vraiment ce que je recherche au niveau des skincare, le côté un peu hydratant, enfin vraiment, je sais que ça va rester tout au long de la journée jusqu'à ce que j'aille me laver le visage. Donc c'est vraiment, je vous ai présenté ces produits vraiment dans un but de vous présenter des nouveaux produits de skincare coréen, car c'est en train d'exploser dans le monde entier. C'est des produits qui ont fait leur preuve, ce sont des produits qui marchent du tonnerre, et voilà, je voulais vraiment en fait vous introduire tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel skincare vous utilisez en barre de commentaires, je serai ravi de lire vos commentaires. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification et à vous abonner à la chaîne, c'est très important, comme ça je sais si vous avez aimé mon contenu ou pas, et de lâcher un petit pouce bleu, toujours très important. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye guys.